Quand le soir, après avoir conduit ma grand-mère et être restée quelques heures chez son amie, j'eus repris seul le train, du moins je ne trouvais pas pénible la nuit qui vint. C'est que je n'avais pas à la passer dans la prison d'une chambre dont l'ensommeillement me tiendrait éveillée. J'étais entourée par la calmante activité de tous ces mouvements du train qui me tenaient compagnie, s'offraient à causer avec moi si je ne trouvais pas le sommeil, me berçaient de leur bruit, que j'accouplais comme le son des cloches à Combray, tantôt sur un rythme, tantôt sur un autre, entendant, selon ma fantaisie, d'abord quatre doubles croches égales, puis une double croche furieusement précipitée contre une noire. Il neutralisait la force centrifuge de mon insomnie en exerçant sur elle des pressions contraires qui me maintenaient en équilibre et sur lesquelles mon immobilité et bientôt mon sommeil se sentirent portés avec la même impression rafraîchissante que m'aurait donné le repos dû à la vigilance de forces puissantes au sein de la nature et de la vie, si j'avais pu pour un moment m'incarner en quelque poisson qui dort dans la mer, promené dans son assoupissement par les courants et la vague, ou en quelque aigle étendu sur le seul appui de la tempête. Les levées de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer, comme les œufs durs, les journaux illustrés, les jeux de cartes, les rivières où des barques s'évertuent sans avancer. À un moment où je dénombrais les pensées qui avaient rempli mon esprit pendant les minutes précédentes pour me rendre compte si je venais ou non de dormir, et où l'incertitude même qui me faisait me poser la question était en train de me fournir une réponse affirmative, dans le carreau de la fenêtre, au-dessus d'un petit bois noir, je vis des nuages échancrés dont le doux duvet était d'un rose fixé, mort, qui ne changera plus. Comme celui qui teint les plumes de l'aile qui l'a assimilée, ou le pastel sur lequel l'a déposé la fantaisie du peintre. Mais je sentais qu'au contraire cette couleur n'était ni inertie ni caprice, mais nécessité et vie. Bientôt s'amoncelèrent derrière elle des réserves de lumière. Elle s'aviva, le ciel devint d'un incarnat que je tâchais en collant mes yeux à la vitre de mieux voir, car je le sentais en rapport avec l'existence profonde de la nature. Mais la ligne du chemin de fer ayant changé de direction, le train tourna. La scène matinale fut remplacée dans le cadre de la fenêtre par un village nocturne au toit bleu de clair de lune, avec un lavoir encrassé de la nacre opaline de la nuit, sous un ciel encore semé de toutes ces étoiles, et je me désolais d'avoir perdu ma bande de ciel rose quand je l'aperçus de nouveau. Mais rouge, cette fois, dans la fenêtre d'en face, qu'elle abandonna à un deuxième coude de la voie ferrée, si bien que je passais mon temps à courir d'une fenêtre à l'autre pour rapprocher, pour rentoiler les fragments intermittents et opposites de mon beau matin écarlate et versatile, et en avoir une vue totale et un tableau continu. Le paysage devint accidenté, abrupt. Le train s'arrêta à une petite gare entre deux montagnes. On ne voyait au fond de la gorge, au bord du torrent, qu'une maison de garde enfoncée dans l'eau qui coulait au ras des fenêtres. Si un être peut être le produit d'un sol dont on goûte en lui le charme particulier, plus encore que la paysanne que j'avais tant désiré voir apparaître quand j'errais seul du côté de mes églises dans les bois de Roussainville, ce devait être la grande fille que je vis sortir de cette maison et sur le sentier qui illuminait obliquement le soleil levant, venir vers la gare en portant une jarre de lait. Dans la vallée à qui ses hauteurs cachaient le reste du monde, elle ne devait jamais voir personne que dans ses trains qui ne s'arrêtaient qu'un instant. Elle longea les wagons, offrant du café au lait à quelques voyageurs réveillés. Empourprée des reflets du matin, son visage était plus rose que le ciel. Je ressentis devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous
chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur. Nous oublions toujours qu'ils sont individuels et leur substituant dans notre esprit un type de convention que nous formons en faisant une sorte de moyenne entre les différents visages qui nous ont plu, entre les plaisirs que nous avons connus, nous n'avons que des images abstraites qui sont languissantes et fades parce qu'il leur manque précisément ce caractère d'une chose nouvelle, différente de ce que nous avons connu. Ce caractère qui est propre à la beauté et au bonheur. Et nous portons sur la vie un jugement pessimiste et que nous supposons juste, car nous avons cru y faire entrer en ligne de compte le bonheur et la beauté quand nous les avons omis et remplacés par des synthèses où d'eux, il n'y a pas un seul atome. C'est ainsi que bâille d'avance d'ennui un lettré à qui on parle d'un nouveau beau livre. Parce qu'il imagine une sorte de composé de tous les beaux livres qu'il a lus, tandis qu'un beau livre est particulier, imprévisible, et n'est pas fait de la somme de tous les chefs-d'œuvre précédents, mais de quelque chose que s'être parfaitement assimilé, cette somme ne suffit nullement à faire trouver, car c'est justement en dehors d'elle. Dès qu'il a eu connaissance de cette nouvelle œuvre, le lettré, tout à l'heure blasé, se sent de l'intérêt pour la réalité qu'elle dépeint. Telle étrangère au modèle de beauté que dessinait ma pensée quand je me trouvais seule, la belle fille me donna aussitôt le goût d'un certain bonheur. Seule forme, toujours particulière, sous laquelle nous puissions connaître le goût du bonheur, d'un bonheur qui se réaliserait en vivant auprès d'elle. Mais ici encore, la cessation momentanée de l'habitude agissait pour une grande part. Je faisais bénéficier la marchande de lait de ce que c'était mon être complet, apte à goûter de vives jouissances qui étaient en face d'elle. C'est d'ordinaire, avec notre être réduit au minimum que nous vivons, la plupart de nos facultés restent endormies parce qu'elles se reposent sur l'habitude. Qui sait ce qu'il y a à faire et n'a pas besoin d'elle. Mais par ce matin de voyage, l'interruption de la routine de mon existence, le changement de lieu et d'heure avait rendu leur présence indispensable. Mon habitude, qui était sédentaire et n'était pas matinale, faisait défaut, et toutes mes facultés étaient accourues pour la remplacer, rivalisant entre elles deux ailes, s'élevant toutes comme des vagues à un même niveau inaccoutumé, de la plus basse à la plus noble, de la respiration, de l'appétit et de la circulation sanguine à la sensibilité et à l'imagination. Je ne sais si en me faisant croire que cette fille n'était pas pareille aux autres femmes, le charme sauvage de ces lieux ajoutait au sien. Mais elle le leur rendait. La vie m'aurait paru délicieuse si seulement j'avais pu, heure par heure, la passer avec elle, l'accompagner jusqu'au torrent, jusqu'à la vache, jusqu'au train, être toujours à ses côtés, me sentir connue d'elle, ayant ma place dans sa pensée. Elle m'aurait initiée au charme de la vie rustique et des premières heures du jour. Je lui fis signe qu'elle vint me donner du café au lait. J'avais besoin d'être remarquée d'elle. Elle ne me vit pas, je l'appelais. Au-dessus de son corps très grand, le teint de sa figure était si doré et si rose qu'elle avait l'air d'être vue à travers un vitrail illuminé. Elle revint sur ses pas. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage de plus en plus large, pareil à un soleil qu'on pourrait fixer, et qui s'approcherait jusqu'à venir tout près de vous, se laissant regarder de près, vous éblouissant d'or et de rouge. Elle posa sur moi son regard perçant, mais comme les employés fermaient les portières, le train se mit en marche. Je la vis quitter la gare et reprendre le sentier. Il faisait grand jour maintenant, je m'éloignais de l'aurore. Que mon exaltation eût été produite par cette fille, ou au contraire eût causé la plus grande partie du plaisir que j'avais eu à me trouver près d'elle. En tout cas, elle était si mêlée à lui que mon désir de la revoir
était avant tout le désir moral de ne pas laisser cet état d'excitation périr entièrement, de ne pas être séparée à jamais de l'être qui y avait, même à son insu, participé. Ce n'est pas seulement que cet état fut agréable, c'est surtout que, comme la tension plus grande d'une corde ou la vibration plus rapide d'un nerf produit une sonorité ou une couleur différente, il donnait une autre tonalité à ce que je voyais. Il m'introduisait comme acteur dans un univers inconnu et infiniment plus intéressant. Cette belle fille que j'apercevais encore, tandis que le train accélérait sa marche, c'était comme une partie d'une vie autre que celle que je connaissais. Séparée d'elle par un liseré et où les sensations qu'éveillaient les objets n'étaient plus les mêmes. Et d'où sortir maintenant eût été comme mourir à moi-même. Pour avoir la douceur de me sentir du moins attachée à cette vie, il eût suffi que j'habitasse assez près de la petite station pour pouvoir venir tous les matins demander du café au lait à cette paysanne. Mais hélas, elle serait toujours absente de l'autre vie, vers laquelle je m'en allais de plus en plus vite et que je ne me résignais à accepter qu'en combinant des plans qui me permettraient un jour de reprendre ce même train et de m'arrêter à cette même gare. Projet qui avait aussi l'avantage de fournir un aliment à la disposition intéressée, active, pratique, machinale, paresseuse, centrifuge, qui est celle de notre esprit. Car il se détourne volontiers de l'effort qu'il faut pour approfondir en soi-même d'une façon générale et désintéressée une impression agréable que nous avons eue. Et comme d'autre part nous voulons continuer à penser à elle, il préfère l'imaginer dans l'avenir, préparer habilement les circonstances qui pourront la faire renaître, ce qui ne nous apprend rien sur son essence, mais nous évite la fatigue de la recréer en nous-mêmes et nous permet d'espérer la recevoir de nouveau du dehors. Certains noms de villes, Vézelay ou Chartres, Bourges ou Beauvais, servent à désigner par abréviation leur église principale. Cette acception partielle où nous le prenons si souvent finit, s'il s'agit de lieux que nous ne connaissons pas encore, par sculpter le nom tout entier qui, dès lors, quand nous voudrons y faire entrer l'idée de la ville que nous n'avons jamais vue, lui imposera, comme un moule, les mêmes ciselures, et du même style en fera une sorte de grande cathédrale. Ce fut pourtant à une station de chemin de fer au-dessus d'un buffet en lettres blanches sur un avertisseur bleu que je lus le nom presque de style persan de Balbec. Je traversais vivement la gare et le boulevard qui y aboutissait. Je demandais la grève pour ne voir que l'église et la mer. On n'avait pas l'air de comprendre ce que je voulais dire. Balbec le vieux, Balbec en terre où je me trouvais n'était ni une plage, ni un port. Certes, c'était bien dans la mer que les pêcheurs avaient trouvé, selon la légende, le Christ miraculeux dont un vitrail de cette église, qui était à quelques mètres de moi, racontait la découverte. C'était bien de falaises battues par les flots qu'avait été tirée la pierre de la nef et des tours. Mais cette mer, qu'à cause de cela j'avais imaginée venant mourir au pied du vitrail, était à plus de 5 lieues de distance, à Balbec-Plage et à côté de sa coupole, ce clocher que, parce que j'avais lu qu'il était lui-même une âpre falaise normande où s'amassaient les grains, où tournoyaient les oiseaux, je m'étais toujours représenté comme recevant à sa base la dernière écume des vagues soulevées, il se dressait sur une place où était l'embranchement de 2 lignes de tramway, en face d'un café qui portait écrit en lettres d'or le mot « billard ». Il se détachait sur un fond de maison au toit desquels ne se mêlait aucun mât. Et l'église, entrant dans mon attention avec le café, avec le passant à qui il avait fallu demander mon chemin, avec la gare où j'allais retourner, faisait un avec tout le reste. Semblait un accident, un produit de cette fin d'après-midi dans laquelle la coupe moelleuse et gonflée sur le ciel était comme un fruit, dont la même lumière qui baignait les cheminées des maisons mûrissait la peau rose, dorée et fondante,
mais je ne voulus plus penser qu'à la signification éternelle des sculptures. Quand je reconnus les apôtres, dont j'avais vu les statues moulées au musée du Trocadéro et qui, des deux côtés de la Vierge, devant la baie profonde du porche, m'attendaient comme pour me faire honneur. La figure bienveillante, camuse et douce, le dos voûté, il semblait s'avancer d'un air de bienvenue en chantant l'Alléluia d'un beau jour. Mais on s'apercevait que leur expression était immuable, comme celle d'un mort, et ne se modifiait que si on tournait autour d'eux. Je me disais, c'est ici l'église de Balbec. Cette place qui a l'air de savoir sa gloire est le seul lieu du monde qui possède l'église de Balbec. Ce que j'ai vu jusqu'ici, c'était des photographies de cette église et de ses apôtres, de cette Vierge du porche si célèbre, les moulages seulement. Maintenant, c'est l'église elle-même, c'est la statue elle-même, ce sont elles, elles, les uniques. C'est bien plus. C'était moins aussi, peut-être. Comme un jeune homme un jour d'examen ou de duel trouve le fait sur lequel on l'a interrogé, la balle qui l'a tiré, bien peu de choses quand il possède aux réserves de science et de courage qu'il possède et dont il aurait voulu faire preuve, de même. Mon esprit qui avait dressé la Vierge du porche hors des reproductions que j'en avais eues sous les yeux, inaccessibles aux vicissitudes qui pouvaient menacer celle-ci, intactes si on les détruisait, idéales, ayant une valeur universelle, s'étonnait de voir la statue qu'il avait mille fois sculptée, réduite maintenant à sa propre apparence de pierre, occupant par rapport à la portée de mon bras une place où elle avait pour rivale une affiche électorale et la pointe de ma canne, enchaînée à la place, inséparable du débouché de la grande rue, ne pouvant fuir les regards du café et du bureau d'omnibus, recevant sur son visage la moitié du rayon de soleil couchant et bientôt, dans quelques heures, de la clarté du réverbère, dont le bureau du comptoir d'escompte recevait l'autre moitié, gagnée en même temps que cette succursale d'un établissement de crédit par le relent des cuisines du pâtissier soumise à la tyrannie du particulier, au point que, si j'avais voulu tracer ma signature sur cette pierre, c'est elle, la Vierge illustre que jusque-là j'avais douée d'une existence générale et d'une intangible beauté, la Vierge de Balbec, l'unique, ce qui, hélas, voulait dire la seule, qui sur son corps encrassé de la même suie que les maisons voisines aurait, sans pouvoir, sans défaire, montré à tous les admirateurs venus là, pour la contempler, la trace de mon morceau de craie et les lettres de mon nom. Et c'était elle enfin l'œuvre d'art immortelle et si longtemps désirée que je trouvais métamorphosée ainsi que l'église elle-même en une petite vieille de pierre dont je pouvais mesurer la hauteur et compter les rides. L'heure passait. Il fallait retourner à la gare où je devais attendre ma grand-mère et Françoise pour gagner ensemble Balbec-Plage. Je me rappelais ce que j'avais lu sur Balbec, les paroles de Swann. C'est délicieux, c'est aussi beau que Sienne. Et n'accusant de ma déception que des contingences, la mauvaise disposition où j'étais, ma fatigue, mon incapacité de savoir regarder, j'essayais de me consoler en pensant qu'il restait d'autres villes, encore intactes pour moi, que je pourrais prochainement peut-être pénétrer, comme au milieu d'une pluie de perles, dans le frais gazouillis des égouttements de Quimperlé, traverser le reflet verdissant et rose qui baignait Pont-Aven. Mais pour Balbec, dès que j'y étais entrée, ça avait été comme si j'avais entrouvert un nom qu'il eût fallu tenir hermétiquement clos et où, profitant de l'issue que je leur avais imprudemment offerte en chassant toutes les images qui y vivaient jusque-là, un tramway, un café, les gens qui passaient sur la place, la succursale du comptoir d'escompte,
irrésistiblement poussée par une pression externe et une force pneumatique, s'était engouffrée à l'intérieur des syllabes qui, refermées sur eux, les laissaient maintenant encadrer le porche de l'église persane et ne cesseraient plus de les contenir. Dans le petit chemin de fer d'intérêt local qui devait nous conduire à Balbec-Plage, je retrouvais ma grand-mère, mais l'y retrouvais seule, car elle avait imaginé de faire partir avant elle, pour que tout fût préparé d'avance, mais lui ayant donné un renseignement faux, n'avait réussi qu'à faire partir dans une mauvaise direction Françoise, qui en ce moment, sans s'en douter, filait à toute vitesse sur Nantes et se réveillerait peut-être à Bordeaux. À peine fus-je assis dans le wagon rempli par la lumière fugitive du couchant et par la chaleur persistante de l'après-midi, la première, hélas, me permettant de voir en plein sur le visage de ma grand-mère combien la seconde l'avait fatiguée, elle me demanda « Eh bien, Balbec avec un sourire si ardemment éclairé par l'espérance du grand plaisir qu'elle pensait que j'avais éprouvé, que je n'osais pas lui avouer tout d'un coup ma déception. D'ailleurs, l'impression que mon esprit avait recherchée m'occupait moins au fur et à mesure que se rapprochait le lieu auquel mon corps aurait à s'accoutumer. Au terme encore éloigné de plus d'une heure de ce trajet, je cherchais à imaginer le directeur de l'hôtel de Balbec pour qui j'étais en ce moment inexistant, et j'aurais voulu me présenter à lui dans une compagnie plus prestigieuse que celle de ma grand-mère qui allait certainement lui demander des rabais. Il m'apparaissait empreint d'une morgue certaine, mais très vague de contour. À tout moment, le petit chemin de fer nous arrêtait à l'une des stations qui précédait Balbec-Plage, et dont les noms même, Incarville, Marcouville, Deauville, Pont-à-Couleuvre, Arambouville, Saint-Marc-le-Vieux, Hermonville, Maineville, me semblaient étranges. Alors que lus dans un livre, ils auraient eu quelque rapport avec les noms de certaines localités qui étaient voisines de Combray, mais à l'oreille d'un musicien, deux motifs, matériellement composés de plusieurs des mêmes notes, peuvent ne présenter aucune ressemblance s'ils diffèrent par la couleur de l'harmonie et de l'orchestration. De même, rien moins que ces tristes noms faits de sable, d'espaces trop aérés et vides, et de sel, au-dessus desquels le mot « ville » s'échappait comme « vol » dans « pigeon vol », ne me faisaient penser à ces autres noms de Roussainville ou de Martinville, qui, parce que je les avais entendus prononcer si souvent par ma grand-tante à table, dans la salle, avaient acquis un certain charme sombre, où s'étaient peut-être mélangés des extraits du goût des confitures, de l'odeur du feu de bois et du papier d'un livre de Bergotte, de la couleur de grès de la maison d'en face, et qui aujourd'hui encore, quand ils remontent, comme une bulle gazeuse du fond de ma mémoire, conservent leur vertu spécifique à travers les couches superposées de milieux différents qu'ils ont à franchir avant d'atteindre jusqu'à la surface. C'était dominant la mer lointaine du haut de leurs dunes, ou s'accommodant déjà par la nuit au pied de collines d'un vert cru et d'une forme désobligeante, comme celle du canapé d'une chambre d'hôtel où l'on vient d'arriver, composée de quelques villas que prolongeaient un terrain de tennis et quelquefois un casino dont le drapeau claquait au vent fraîchissant, évidé et anxieux, de petites stations qui me montraient pour la première fois leurs hôtes habituels, mais me les montraient par leur dehors. Des joueurs de tennis en casquette blanche, le chef de gare vivant là, près de ses tamaris et de ses roses, une dame coiffée d'un canotier, qui, décrivant le tracé quotidien d'une vie que je ne connaîtrai jamais, rappelait son lévrier qui s'attardait et rentrait dans son chalet où la lampe était déjà allumée, et qui blessait cruellement de ces images étrangement usuel et dédaigneusement familière, mes regards inconnus et mon cœur dépaysé. Mais combien ma souffrance s'aggrava quand nous eûmes débarqué dans le hall du grand hôtel de Balbec en face de l'escalier monumental qui imitait le marbre
Et pendant que ma grand-mère s'en soucie d'accroître l'hostilité et le mépris des étrangers au milieu desquels nous allions vivre, discutait les conditions avec le directeur. Sorte de poussa à la figure et à la voix pleine de cicatrices, qu'avait laissé l'extirpation sur l'une de nombreux boutons, sur l'autre des divers accents dus à des origines lointaines et à une enfance cosmopolite. Au smoking de mondain, au regard de psychologue, prenant généralement à l'arrivée de l'omnibus les grands seigneurs pour des râleux et les rats d'hôtel pour des grands seigneurs. Oubliant sans doute que lui-même ne touchait pas 500 francs d'appointement mensuel, il méprisait profondément les personnes pour qui 500 francs, ou plutôt comme il disait 25 louis, est une somme, et les considérait comme faisant partie d'une race de parias à qui n'était pas destiné le grand hôtel. Il est vrai que dans ce palace même, il y avait des gens qui ne payaient pas très cher, tout en étant estimés du directeur, à condition que celui-ci fût certain qu'il regardait à dépenser non pas par pauvreté, mais par avarice. Elle ne saurait en effet rien ôter au prestige, puisqu'elle est un vice et peut par conséquent se rencontrer dans toutes les situations sociales. La situation sociale était la seule chose à laquelle le directeur fit attention. La situation sociale. Ou plutôt, les signes qui lui paraissaient impliquer qu'elle était élevée, comme de ne pas se découvrir en entrant dans le hall, de porter des knickerbockers, un paletot à taille, et de sortir un cigare ceint de pourpre et d'or d'un étui en maroquin écrasé, tous avantages, hélas, qui me faisaient défaut. Il émaillait ses propos commerciaux d'expressions choisies, mais à contresens. Tandis que j'entendais ma grand-mère sans se froisser, qu'il l'écouta, son chapeau sur la tête et tout en sifflotant, lui demandait avec une intonation artificielle « Et quels sont vos prix ?»« Oh ! Beaucoup trop élevés pour mon petit budget !» Attendant sur une banquette, je me réfugiais au plus profond de moi-même. Je m'efforçais d'émigrer dans les pensées éternelles, de ne laisser rien de moi, rien de vivant à la surface de mon corps. Insensibilisée comme l'est celle des animaux qui par inhibition font les morts quand on les blesse, afin de ne pas trop souffrir dans ce lieu où mon manque total d'habitude m'était rendu plus sensible encore par la vue de celle que semblait en avoir au même moment une dame élégante à qui le directeur témoignait son respect en prenant des familiarités avec le petit chien dont elle était suivie. Le jeune gandin qui la plume au chapeau rentrait en demandant s'il avait des lettres. Tous ces gens pour qui c'était regagner leur home que de gravir les degrés en faux marbre. Et en même temps, le regard de Minos, Éaque et Radamante, regard dans lequel je plongeais mon âme dépouillée comme dans un inconnu où plus rien ne la protégeait, me fut jeté sévèrement par des messieurs qui, peu versés peut-être dans l'art de recevoir, portait le titre de chef de réception. Plus loin derrière, à un vitrage clos, des gens étaient assis dans un salon de lecture pour la description duquel il m'aurait fallu choisir dans le Dante, tour à tour les couleurs qu'il prête au paradis et à l'enfer, selon que je pensais au bonheur des élus qui avaient le droit d'y lire en toute tranquillité ou à la terreur que m'eût causée ma grand-mère si dans son insouci de ce genre d'impression, elle m'eût ordonné d'y pénétrer. Mon impression de solitude s'accrut encore un moment après. Comme j'avais avoué à ma grand-mère que je n'étais pas bien, que je croyais que nous allions être obligés de revenir à Paris, sans protester, elle avait dit qu'elle sortait pour quelques emplettes, utiles aussi bien si nous partions que si nous restions, et que je suis ensuite maître toute destinée, Françoise ayant avec elle des affaires qui m'eussent manqué. En l'attendant, j'étais allée faire les 100 pas dans les rues encombrées d'une foule qui maintenait une chaleur d'appartement et où était encore ouvert la boutique du coiffeur et le salon d'un pâtissier chez lequel des habitués prenaient des glaces devant la statue de Duguay-Trouin. Elle me causa à peu près autant de plaisir que son image,
au milieu d'un illustré, peut en procurer au malade qui le feuillette dans le cabinet d'attente d'un chirurgien. Je m'étonnais qu'il y eût des gens assez différents de moi pour que cette promenade dans la ville, le directeur eût pu me la conseiller comme une distraction, et aussi pour que le lieu de supplice qu'est une demeure nouvelle pût paraître à certains un séjour de délices. Un séjour de délices, comme disait le prospectus de l'hôtel, qui pouvait exagérer, mais pourtant s'adressait à toute une clientèle dont il flattait les goûts. Il est vrai qu'il invoquait pour la faire venir au grand hôtel de Balbec non seulement la chair exquise et le coup d'œil féerique des jardins du casino, mais encore les arrêts de sa majesté la mode qu'on ne peut violer impunément sans passer pour un béotien, ce à quoi aucun homme bien élevé ne voudrait s'exposer. Le besoin que j'avais de ma grand-mère était grandi par ma crainte de lui avoir causé une désillusion. Elle devait être découragée, sentir que si je ne supportais pas cette fatigue, c'était à désespérer qu'aucun voyage pût me faire du bien. Je me décidai à rentrer l'attendre. Le directeur vint lui-même pousser un bouton et un personnage encore inconnu de moi qu'on appelait Lift et qui, à ce point le plus haut de l'hôtel où serait le lanternon d'une église normande, était installé comme un photographe derrière son vitrage ou comme un organiste dans sa chambre, se mit à descendre vers moi avec l'agilité d'un écureuil domestique industrieux et captif. Puis, en glissant de nouveau le long d'un pilier, il m'entraîna à sa suite vers le dôme de la nef commerciale. À chaque étage, des deux côtés de petits escaliers de communication se dépliaient en éventail de sombres galeries dans lesquelles, portant un traversin, passait une femme de chambre. J'appliquai à son visage rendu indécis par le crépuscule le masque de mes rêves les plus passionnés, mais lisait dans son regard tourné vers moi l'horreur de mon néant. Cependant, pour dissiper au cours de l'interminable ascension l'angoisse mortelle que j'éprouvais à traverser en silence le mystère de ce clair-obscur sans poésie, éclairé d'une seule rangée verticale de verrières que faisait l'unique water-closet de chaque étage, j'adressai la parole au jeune organiste, artisan de mon voyage et compagnon de ma captivité, lequel continuait à tirer les registres de son instrument et à pousser les tuyaux. Je m'excusai de tenir autant de place, de lui donner tellement de peine, et lui demandai si je ne le gênais pas dans l'exercice d'un art à l'endroit duquel, pour flatter le virtuose, je fis plus que manifester de la curiosité. Je confessai ma prédilection. Mais il ne me répondit pas. Soit étonnement de mes paroles, attention à son travail, souci de l'étiquette, dureté de son ouïe, respect du lieu, crainte du danger, paresse d'intelligence ou consigne du directeur. Il n'est peut-être rien qui donne plus l'impression de la réalité, de ce qui nous est extérieur, que le changement de la position par rapport à nous d'une personne, même insignifiante, avant que nous l'ayons connue, et après. J'étais le même homme qui avait pris à la fin de l'après-midi le petit chemin de fer de Balbec. Je portais en moi la même âme, mais dans cette âme, à l'endroit où, à 6 heures, il y avait, avec l'impossibilité d'imaginer, le directeur, le palace, son personnel, une attente vague et craintive du moment où j'arriverais, se trouvaient maintenant les boutons extirpés dans la figure du directeur cosmopolite, en réalité naturalisé monégaste, bien qu'il fût, comme il disait, parce qu'il employait toujours des expressions qu'il croyait distinguer, sans s'apercevoir qu'elles étaient vicieuses, d'originalité roumaine, son geste pour sonner le lift lui-même, toute une frise de personnages de guignols sortis de cette boîte de Pandore qu'était le grand hôtel, indéniable, inamovible, et comme tout ce qui est réalisé, stérilisant.
mais du moins ce changement dans lequel je n'étais pas intervenue me prouvait qu'il s'était passé quelque chose d'extérieur à moi. Si dénuée d'intérêt que cette chose fût en soi, et j'étais comme le voyageur qui, ayant eu le soleil devant lui, en commençant une course, constate que les heures sont passées quand il le voit derrière lui. J'étais brisée par la fatigue, j'avais la fièvre, je me serais bien couchée, mais je n'avais rien de ce qu'il eût fallu pour cela. J'aurais voulu au moins m'étendre un instant sur le lit, mais à quoi bon, puisque je n'aurais pu y faire trouver de repos à cet ensemble de sensations qui est pour chacun de nous son corps conscient, sinon son corps matériel. Et puisque les objets inconnus qui l'encerclaient, en le forçant à mettre ses perceptions sur le pied permanent d'une défensive vigilante, auraient maintenu mes regards, mon ouïe, tous mes sens dans une position aussi réduite et incommode, même si j'avais allongé mes jambes, que celle du cardinal Labalue dans la cage où il ne pouvait ni se tenir debout ni s'asseoir. C'est notre attention qui met des objets dans une chambre, et l'habitude qui les en retire et nous y fait de la place. De la place, il n'y en avait pas pour moi dans ma chambre de Balbec. Mienne de nom seulement, elle était pleine de choses qui, ne me connaissant pas, me rendirent le coup d'œil méfiant que je leur jetais et, sans tenir aucun compte de mon existence, témoignèrent que je dérangeais le train-train de la leur. La pendule, alors qu'à la maison je n'entendais la mienne que quelques secondes par semaine, seulement quand je sortais d'une profonde méditation, continua sans s'interrompre un instant à tenir dans une langue inconnue des propos qui devaient être désobligeants pour moi, car les grands rideaux violets l'écoutaient sans répondre, mais dans une attitude analogue à celle des gens qui haussent les épaules pour montrer que la vue d'un tiers les irrite. Il donnait à cette chambre si haute un caractère quasi historique qui eût pu la rendre appropriée à l'assassinat du duc de Guise, et plus tard à une visite de touristes conduit par un guide de la chance, Cook. Mais nullement à mon sommeil. J'étais tourmentée par la présence de petites bibliothèques à vitrines qui couraient le long des murs, mais surtout par une grande glace à pied, arrêtée en travers de la pièce, et avant le départ de laquelle je sentais qu'il n'y aurait pas pour moi de détente possible. Je levais à tout moment mes regards, que les objets de ma chambre de Paris ne gênaient pas plus que ne faisaient mes propres prunelles, car ils n'étaient plus que des annexes de mes organes, un agrandissement de moi-même, vers le plafond surélevé de ce belvédère situé au sommet de l'hôtel et que ma grand-mère avait choisi pour moi. Et jusque dans cette région plus intime que celle où nous voyons et où nous entendons, dans cette région où nous éprouvons la qualité des odeurs, c'était presque à l'intérieur de mon moi que celle du vétiver venait pousser dans mes derniers retranchements son offensive, à laquelle j'opposais non sans fatigue la riposte inutile et incessante d'un reniflement alarmé. N'ayant plus d'univers, plus de chambre, plus de corps que menacé par les ennemis qui m'entouraient, qu'envahis jusque dans les eaux par la fièvre. J'étais seule. J'avais envie de mourir. Alors ma grand-mère entra. Et à l'expansion de mon cœur refoulé s'ouvrirent aussitôt des espaces infinis. Elle portait une robe de chambre de percale qu'elle revêtait à la maison chaque fois que l'un de nous était malade, parce qu'elle s'y sentait plus à l'aise, disait-elle, attribuant toujours à ce qu'elle faisait des mobiles égoïstes, et qui était pour nous soigner, pour nous veiller, sa blouse de servante et de garde, son habit de religieuse. Mais tandis que les soins de celles-là, la bonté qu'elles ont, le mérite qu'on leur trouve et la reconnaissance qu'on leur doit augmentent encore l'impression qu'on a d'être, pour elles, un autre, de se sentir seule, gardant pour soi la charge de ses pensées, de son propre désir de vivre. Je savais, quand j'étais avec ma grand-mère,
si grand chagrin qu'il y eût en moi, qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore, que tout ce qui était mien, mes soucis, mon vouloir serait en ma grand-mère étayé sur un désir de conservation et d'accroissement de ma propre vie, autrement fort que celui que j'avais de moi-même. Et mes pensées se prolongeaient en elles, sans subir de déviation parce qu'elles passaient de mon esprit dans le sien sans changer de milieu, de personne. Et comme quelqu'un qui veut nouer sa cravate devant une glace sans comprendre que le bout qu'il voit n'est pas placé par rapport à lui du côté où il dirige sa main, ou comme un chien qui poursuit à terre l'ombre dansante d'un insecte, trompé par l'apparence du corps, comme on l'est dans ce monde, où nous ne percevons pas directement les âmes. Je me jetai dans les bras de ma grand-mère, et je suspendis mes lèvres à sa figure, comme si j'accédais ainsi à ce cœur immense qu'elle m'ouvrait. Quand j'avais ainsi ma bouche collée à ses joues, à son front, j'y puisais quelque chose de si bienfaisant, de si nourricier, que je gardais l'immobilité, le sérieux, la tranquille avidité d'un enfant qui tète. Je regardais ensuite sans me lasser son grand visage découpé, comme un beau nuage ardent et calme, derrière lequel on sentait rayonner la tendresse. Et tout ce qui recevait encore, si faiblement que ce fût, un peu de ses sensations, tout ce qui pouvait ainsi être dit encore à elle, en était aussitôt si spiritualisé, si sanctifié, que de mes paumes je lissais ses beaux cheveux, à peine gris, avec autant de respect, de précaution et de douceur que si j'y avais caressé sa bonté. Elle trouvait un tel plaisir dans toute peine qui m'en épargnait une, et dans un moment d'immobilité et de calme pour mes membres fatigués, quelque chose de si délicieux que quand, ayant vu qu'elle voulait m'aider à me coucher, me déchausser, je fis le geste de l'en empêcher, de commencer à me déshabiller moi-même, elle arrêta d'un regard suppliant mes mains qui touchaient au premier bouton de ma veste et de mes bottines. « Oh ! Je t'en prie, me dit-elle, c'est une telle joie pour ta grand-mère. Et surtout, ne manque pas de frapper au mur si tu as besoin de quelque chose cette nuit. Mon lit est adossé au tien, la cloison est très mince. D'ici un moment, quand tu seras couché, fais-le pour voir si nous nous comprenons bien. » Et en effet, ce soir-là, je frappai 3 coups. Que une semaine plus tard, quand je fus souffrant, je renouvelai pendant quelques jours, tous les matins, parce que ma grand-mère voulait me donner du lait de bonne heure. Alors, quand je croyais entendre qu'elle était réveillée, pour qu'elle n'attendît pas et pût tout de suite après se rendormir, je risquais 3 petits coups, timidement, faiblement, distinctement, malgré tout. Car si je craignais d'interrompre son sommeil, dans le cas où je me serais trompée et où elle eût dormi, je n'aurais pas voulu non plus qu'elle continue à dépier un appel qu'elle n'aurait pas distingué d'abord et que je n'oserais pas renouveler. Et à peine j'avais frappé mes coups, que j'en entendais 3 autres, d'une intonation différente de ceux-là, empreints d'une calme autorité, répétés à 2 reprises pour plus de clarté, et qui disaient « Ne t'agite pas, j'ai entendu. Dans quelques instants, je serai là. » Et bientôt après, ma grand-mère arrivait. Je lui disais que j'avais eu peur qu'elle ne m'entendît pas ou crût que c'était un voisin qui avait frappé. Elle riait. Confondre les coups de mon pauvre chou avec d'autres? Mais entre 1000, sa grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu donc qu'il y en ait d'autres au monde qui soient aussi bêta
aussi fébrile, aussi partagé entre la crainte de me réveiller et de ne pas être compris. Mais quand même, elle se contenterait d'un grattement. On reconnaîtrait tout de suite sa petite souris, surtout quand elle est aussi unique et à plaindre que la mienne. Je l'entendais déjà depuis un moment, qui hésitait, qui se remuait dans le lit, qui faisait tous ses manèges. Elle entr'ouvrait les persiennes. À l'annexe, en saillie de l'hôtel, le soleil était déjà installé sur les toits comme un couvreur matinal qui commence tôt son ouvrage et l'accomplit en silence pour ne pas réveiller la ville qui dort encore et de laquelle l'immobilité le fait paraître plus agile. Elle me disait l'heure, le temps qu'il ferait, que ce n'était pas la peine que j'allasse jusqu'à la fenêtre, qu'il y avait de la brume sur la mer, si la boulangerie était déjà ouverte. Quelle était cette voiture qu'on entendait? Tout cet insignifiant lever de rideau? Ce négligeable introïte du jour auquel personne n'assiste? Petit morceau de vie qui n'était qu'à nous deux? Que j'évoquerais volontiers dans la journée devant Françoise ou des étrangers en parlant du brouillard à couper au couteau qu'il y avait eu le matin à 6 heures, avec l'ostentation, non d'un savoir acquis, mais d'une marque d'affection reçue par moi seule. 12 instants matinal qui s'ouvraient comme une symphonie par le dialogue rythmé de mes 3 coups auxquels la cloison pénétrait de tendresse et de joie, devenue harmonieuse, immatérielle, chantant comme les anges, répondait par 3 autres coups ardemment attendus, 2 fois répétés, et où elle savait transporter l'âme de ma grand-mère tout entière et la promesse de sa venue avec une allégresse d'annonciation et une fidélité musicale. Mais cette première nuit d'arrivée, quand ma grand-mère m'eut quittée, je recommençais à souffrir, comme j'avais déjà souffert à Paris au moment de quitter la maison. Peut-être cet effroi que j'avais, qu'ont tant d'autres, de coucher dans une chambre inconnue, peut-être cet effroi n'est-il que la forme la plus humble, obscure, organique, presque inconsciente, de ce grand refus désespéré qu'opposent les choses qui constituent le meilleur de notre vie présente à ce que nous revêtions mentalement de notre acceptation, la formule d'un avenir où elle ne figure pas. Refus qui était au fond de l'horreur que m'avait fait si souvent éprouver la pensée que mes parents mourraient un jour, que les nécessités de la vie pourraient m'obliger à vivre loin de Gilberte, ou simplement à me fixer définitivement dans un pays où je ne reverrai plus jamais mes amis. Refus qui était encore au fond de la difficulté que j'avais à penser à ma propre mort ou à une survie comme celle que Bergotte promettait aux hommes dans ses livres, dans laquelle je ne pourrais emporter mes souvenirs, mes défauts, mon caractère, qui ne se résignait pas à l'idée de ne plus être et ne voulait pour moi ni du néant, ni d'une éternité où il ne serait plus. Quand Swann m'avait dit à Paris un jour que j'étais particulièrement souffrant, « Vous devriez partir pour cette délicieuse île de l'Océanie. Vous verrez que vous n'en reviendrez plus. » J'aurais voulu lui répondre, mais alors je ne verrai plus votre fille. Je vivrai au milieu des choses et des gens qu'elle n'a jamais vus. Et pourtant ma raison me disait « Qu'est-ce que cela peut faire, puisque tu n'en seras pas affligée ? Quand Monsieur Swann te dit que tu ne reviendras pas, il entend par là que tu ne voudras pas revenir. Et puisque tu ne le voudras pas, c'est que là-bas, tu seras heureux. Car ma raison savait que l'habitude qui allait assumer maintenant l'entreprise de me faire aimer ce logis inconnu, de changer de place la glace, la nuance des rideaux, d'arrêter la pendule, se charge aussi bien de nous rendre chers les compagnons qui nous avaient déplu d'abord, de donner une autre forme au visage,
de rendre sympathique le son d'une voix, de modifier l'inclination des cœurs. Certes, ces amitiés nouvelles pour des lieux et des gens ont pour trame l'oubli des anciennes, mais justement ma raison pensait que je pouvais envisager sans terreur la perspective d'une vie où je serais à jamais séparée d'êtres dont je perdrais le souvenir. Et c'est comme une consolation qu'elle offrait à mon cœur, une promesse d'oubli qui ne faisait au contraire qu'affoler son désespoir. Ce n'est pas que notre cœur ne doive éprouver lui aussi, quand la séparation sera consommée, les effets analgésiques de l'habitude. Mais jusque-là, il continuera de souffrir. Et la crainte d'un avenir où nous serons enlever la vue et l'entretien de ce que nous aimons et d'où nous tirons aujourd'hui notre plus chère joie, cette crainte, loin de se dissiper, s'accroît. Si à la douleur d'une telle privation, nous pensons que s'ajoutera ce qui pour nous semble actuellement plus cruel encore, ne pas le ressentir comme une douleur, y rester indifférent. Car alors notre moi serait changé. Ce ne serait plus seulement le charme de nos parents, de notre maîtresse, de nos amis qui ne seraient plus autour de nous, mais notre affection pour eux. Elle aurait été si parfaitement arrachée de notre cœur dont elle est aujourd'hui une notable part, que nous pourrions nous plaire à cette vie séparée d'eux dont la pensée nous fait horreur aujourd'hui. Ce serait donc une vraie mort de nous-mêmes. Mort suivie, il est vrai, de résurrection, mais en un moi différent, et jusqu'à l'amour duquel ne peuvent s'élever les parties de l'ancien moi condamné à mourir. Ce sont elles, même les plus chétives, comme les obscurs attachements aux dimensions, à l'atmosphère d'une chambre, qui s'effare et refuse en des rébellions où il faut voir un mode secret, partiel, tangible et vrai de la résistance à la mort, de la longue résistance désespérée et quotidienne à la mort fragmentaire et successive telle qu'elle s'insère dans toute la durée de notre vie, détachant de nous à chaque moment des lambeaux de nous-mêmes sur la mortification desquels des cellules nouvelles multiplieront. Et pour une nature nerveuse comme était la mienne, c'est-à-dire chez qui les intermédiaires, les nerfs, remplissent mal leurs fonctions, n'arrêtent pas dans sa route vers la conscience, mais y laissent au contraire parvenir distincte, épuisante, innombrable et douloureuse, la plainte des plus humbles éléments du moi qui vont disparaître, l'anxieuse alarme que j'éprouvais sous ce plafond inconnu et trop haut n'était que la protestation d'une amitié qui survivait en moi pour un plafond familier et bas. Sans doute cette amitié disparaîtrait, une autre ayant pris sa place. Alors la mort, puis une nouvelle vie aurait, sous le nom d'habitude, accompli leur œuvre double. Mais jusqu'à son anéantissement, chaque soir, elle souffrirait. Et ce premier soir-là, surtout, mise en présence d'un avenir déjà réalisé, où il n'y avait plus de place pour elle, elle se révoltait. Elle me torturait du cri de ses lamentations chaque fois que mes regards, ne pouvant se détourner de ce qui les blessait, essayaient de se poser au plafond inaccessible. Mais le lendemain matin, après qu'un domestique fût venu m'éveiller et m'apporter de l'eau chaude, et pendant que je faisais ma toilette et essayais vainement de trouver les affaires dont j'avais besoin dans ma malle, d'où je ne tirais pêle-mêle que celles qui ne pouvaient me servir à rien, quelle
Quelle joie! Pensant déjà au plaisir du déjeuner et de la promenade, de voir dans la fenêtre et dans toutes les vitrines des bibliothèques, comme dans les hublots d'une cabine de navire, la mer, nue, sans ombrage, et pourtant à l'ombre, sur une moitié de son étendue que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s'élançaient l'un après l'autre, comme des sauteurs sur un tremplin. À tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l'hôtel et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, je retournais près de la fenêtre jeter en rencor un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, çà et là, polies et translucides, lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écoulement de leurs pentes auxquelles le soleil ajoutait un sourire sans visage. Fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi pour voir si pendant la nuit s'est rapprochée ou éloignée une chaîne désirée. Ici, ces collines de la mer qui, avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à une grande distance leurs premières ondulations, dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre, comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux des primitifs toscans. D'autres fois, c'était tout près de moi que le soleil riait sur ses flots, d'un vert aussi tendre que celui que conservent aux prairies alpestres, dans les montagnes où le soleil s'étale çà et là comme un géant qui en descendrait gaiement par bonds inégaux les pentes, moins l'humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière. Au reste, dans cette brèche que la plage et les flots pratiquent au milieu du monde, pour du reste y faire passer, pour y accumuler la lumière, c'est elle, surtout, selon la direction d'où elle vient et que suit notre œil, c'est elle qui déplace et situe les vallonnements de la mer. La diversité de l'éclairage ne modifie pas moins l'orientation d'un lieu, ne dresse pas moins devant nous de nouveaux buts qui nous donnent le désir d'atteindre. Quand le matin, le soleil venait de derrière l'hôtel, découvrant devant moi les grèves illuminées jusqu'au premier contrefort de la mer, il semblait m'en montrer un autre versant et m'engager à poursuivre sur la route tournante de ses rayons un voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des heures. Et dès ce premier matin, le soleil me désignait au loin d'un doigt souriant ces cimes bleues de la mer qui n'ont de nom sur aucune carte géographique, jusqu'à ce qu'étourdis de sa sublime promenade à la surface retentissante et chaotique de leurs crêtes et de leurs avalanches, il vint se mettre à l'abri du vent dans ma chambre, se prélassant sur le lit défait et égrenant ses richesses sur le lavabo mouillé dans la malle ouverte, où par sa splendeur même et son luxe déplacé, il ajoutait encore à la pression du désordre. Hélas, le vent de mer, une heure plus tard, dans la grande salle à manger, tandis que nous déjeunions et que de la gourde de cuir d'un citron nous répandions quelques gouttes d'or sur deux sols qui bientôt laissèrent dans nos assiettes le panache de leurs arêtes, frisées comme une plume et sonores comme une cithare. Il parut cruel à ma grand-mère de n'en pas sentir le souffle vivifiant à cause du châssis transparent mais clos qui, comme une vitrine, nous séparait de la plage tout en nous la laissant entièrement voir et dans lequel le ciel entrait si complètement que son azur avait l'air d'être la couleur des fenêtres et ses nuages blancs un défaut du vert. Me persuadant que j'étais assis sur le môle ou au fond du boudoir dont parle Baudelaire, je me demandais si son soleil rayonnant sur la mer ce n'était pas bien différent du rayon du soir, simple et superficiel comme un trait doré et tremblant, celui qui en ce moment brûlait la mer comme une topaze, la faisait fermenter, devenir blonde et laiteuse comme de la bière.
écumante comme du lait, tandis que par moments s'y promenaient ça et là de grandes ombres bleues que quelques dieux semblaient s'amuser à déplacer en bougeant un miroir dans le ciel. Malheureusement, ce n'était pas seulement par son aspect que différait de la salle de Combray donnant sur les maisons d'en face cette salle à manger de Balbec nue, emplie de soleil vert comme l'eau d'une piscine et à quelques mètres de laquelle la marée pleine et le grand jour élevait, comme devant la cité céleste, un rempart indestructible et mobile d'émeraude et d'or. À Combray, comme nous étions connus de tout le monde, je ne me souciais de personne. Dans la vie de bain de mer, on ne connaît que ses voisins. Je n'étais pas encore assez âgée et j'étais restée trop sensible pour avoir renoncé au désir de plaire aux êtres et de les posséder. Je n'avais pas l'indifférence plus noble qu'aurait éprouvé un homme du monde à l'égard des personnes qui déjeunaient dans la salle à manger, ni des jeunes gens et des jeunes filles passant sur la digue avec lesquelles je souffrais de penser que je ne pourrais pas faire d'excursion. Moins pourtant que si ma grand-mère, dédaigneuse des formes mondaines et ne s'occupant que de ma santé, leur avait adressé la demande, humiliante pour moi, de m'agréer comme compagnon de promenade. Soit qu'ils rentrassent vers quelque chalet inconnu, soit qu'ils en sortissent pour se rendre raquette en main à un terrain de tennis, ou montassent sur des chevaux dont les sabots me piétinaient le cœur. Je les regardais avec une curiosité passionnée. Dans cet éclairage aveuglant de la plage où les proportions sociales sont changées, je suivais tous leurs mouvements à travers la transparence de cette grande baie vitrée qui laissait passer tant de lumière. Mais elle interceptait le vent, et c'était un défaut à la vie de ma grand-mère, qui, ne pouvant supporter l'idée que je perdisse le bénéfice d'une heure d'air, ouvrit subrepticement un carreau et fit envoler du même coup avec les menus, les journaux, voiles et casquettes de toutes les personnes qui étaient en train de déjeuner. Elle-même, soutenue par le souffle céleste, restait calme et souriante comme sainte Blandine, au milieu des invectives qui, augmentant mon impression d'isolement et de tristesse, réunissaient contre nous les touristes méprisants, dépeignés et furieux.